en saluant tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce soir. Je dis que Dieu vous bénisse ce soir. Parce que vous êtes une maison bénie. Vous êtes des gens connus de Dieu. Avant que le Seigneur vous bénisse richement. Lui qui nous a accordé la grâce de nous retrouver encore ce soir. Quand nous augmente un peu le volume de nos instruments. Nous avons l'être, la vie et le mouvement. Ce qui nous allons pour c'est la grâce de Dieu. Les amis, Dieu pas ensemble. Cela ne vient pas de l'homme. Et où Dieu pas à mon côté. Mais cela vient du Seigneur lui-même. C'est lui qui a permis que tu te déplaces de la maison jusqu'ici. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable ce soir. Ne t'adonne pas la distraction. Ce sont les caprices de la technique. Machine. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous n'ayons plus de problèmes de ce côté-là. Qu'on arrange je vais faire ma lecture de Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89. Je prends le verset 19. Vas-y, verset 19. Psaume 89, le verset 19. Je prends même le verset 20. Vas-y, quand tu as verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis. Oui, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Écraser devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui.
Fidélité la gaye, puis voilà mon gaye, et vous allez aller. Et sa force se levera par mon nom. Oui, ma casse la gaye, vous pouvez s'amener la gaye à Congo la gaye. Je mettrai sa main sur la mer. La gauche, le mot qu'on a eu, la bibale à Minende. Et sa droite sur le fleuve. Et le mot qu'on a eu, la bibale. Lui, il m'invoquera. Yé, à quoi il m'a coupé la gaye. Tu es mon père. Vous allez t'attendre la gaye. Mon Dieu. Et le rocher de mon salut. Nous allons baisser nos têtes, nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler profondément. Que Dieu fasse que ton attention soit vers lui. Dis à Dieu, parle-moi, je suis en train de t'écouter. Dis à Dieu, parle et ton serviteur t'écoute. Parle que ta servante t'écoute. Prions au nom de Jésus-Christ. Assemblée à propos de Jésus. Oh,
Seigneur, mon Seigneur.
choses en toi. Prends la possession de cette salle. Je te demande, Seigneur, une chose. Ma Seigneur, papa, prends possession, Seigneur, de cette salle. Jésus, prends la possession, prends possession, Seigneur, de cette lutte. Prends la possession, Seigneur. Anéantis tout ce qui est la force du mal. Anéantis tout ce qui est manigance du diable. Anéantis tout ce qui est vol dans ton esprit. Anéantis, Seigneur, tout ce qui n'est pas à toi. Tu es le Dieu redoutable. C'est écrit que tu es le Dieu terrible dans la tentation. Manifeste ta force. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Manifeste ta domination. L'esprit supérieur, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Avec acclamation. Encore une fois, que le Seigneur soit loué. Parce que le culte que nous organisons, ils se sont des cultes à l'honneur de l'Éternel. C'est pourquoi qu'ils soient bénis à jamais. C'est pourquoi qu'ils soient loués à jamais. Lui qui répand sur nous grâce sur grâce. Lui qui nous conserve toujours sa bonté. Lui qui est le Dieu plein d'amour et de miséricorde. C'est pourquoi il les a manifestés ce soir à ton égard. Il a permis que tu t'approches de lui. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu avais fait un programme de venir ici. Même si tu as l'habitude d'être ici, même si tu as l'habitude d'être ici, mais sache que en venant ici, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui conduit les pas des hommes vers lui. Quand tu es ici, c'est pour que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas en vain. C'est pourquoi je t'ai dit de recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Recevoir les ouvertures au nom de Jésus-Christ. La guérison à tes maladies au nom de Jésus-Christ. La paix là où il n'y avait pas de paix au nom de Jésus-Christ. La consolation là où il y avait des troubles au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi qu'il te les donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement. Nous parlons sur les faveurs saintes faites à David. Nous enseignons ces choses bien-aimées. Afin que ton cœur soit solidement attaché à Dieu. Parce que l'enseignement a toujours un but. Ce n'est pas par plaisir que nous dispensons la parole. Ce n'est pas par plaisir. Mais c'est une nécessité. Mais que ton cœur soit encore solidement attaché à Dieu. Ton cœur soit solidement attaché au Seigneur.
Lorsque tu comprendras ces choses, non, j'ai dit lorsque tu comprendras ces choses, point. Ok. Parce que si tu comprends ces choses, tu n'auras plus à vaciller. Parce que c'est ce que le frère Paul disait. Il y a beaucoup de gens qui ne s'adonnent pas dans les choses de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore bien compris la richesse qu'il y a dans ces choses. C'est parce que nous va sosoli penza ti gosio ezali na kati ya makambo ya Zambe. Je demanderai aux arrangeurs de travailler en fait d'enlever les écoles là qui est en train de bouger. Alors prépare. Tu es attentif à ce que nous disons. Écoutez ce que le frère Paul dit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous prenons le verset 18-16. Verset 16. Nous prenons même le verset 15. Aussi même le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si cette baffle-là de retour dérange, il faut l'enlever seulement. C'est bizarre, baffle. C'est pourquoi, moi aussi, quand nous augmentons le volume des autres baffes. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, suivez bien. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Père de gloire, Papa Yankembo, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Non, non, non. De son appel, de votre appel là. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Que réserve au saint. Et quelle est envers nous qui croyons? Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? C'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous avez compris ici? Ici le frère Paul est en train de dire qu'il prie toujours pour les saints. Pourquoi? Pour que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Si le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation, ce qu'ils ont appris, c'est dans mon livre. Et que le Seigneur leur ouvre les yeux de leur cœur, ils comprendront la richesse qui s'attache à leur appel à Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand tu crois, cela veut dire il t'a ouvert les yeux du cœur. Que tu vois la richesse de cet héritage-là. Dans que tu n'as pas encore vu cette richesse-là, tu vas trouver ces choses inutiles. Tu vas trouver ces choses sans importance. Et c'est fait.
tu vas pas te donner comme il faut. Pourquoi Paul comme un véritable ministre de Dieu? Paul, il priait toujours que Dieu puisse ouvrir le cœur du peuple. Parce qu'il sait que si le peuple demeure aveugle, le peuple ne pouvait, ne pourrait pas non plus se donner dans les choses de Dieu. Santé, il n'aura pas le zèle à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas toujours prier même pour ton entendement spirituel. Parce que les choses spirituelles sont très compliquées. Ce que nous voyons souvent comme ça physiquement, ce n'est pas ce qui se passe dans le spirituel. Tu peux venir ici, mais Satan te vole l'attention. Tu peux venir ici pour écouter la parole, mais à la fin, Satan enlève toute la parole que tu as écoutée. Ça, c'est même la parabole du semeur que Jésus avait donné. Il dit ceci. Il dit le semeur est sorti pour semer la parole. Et la semence est tombée dans la terre, le long du chemin. On dit les oiseaux sont venus, ils ont mangé les grains de la semence. Et Jésus interprète, c'est tout cela qui écoute la parole et peut la comprendre. Mais Satan vient enlever cette parole là dans leur cœur, parce que c'est très c'est très dangereux. À chaque fois qu'on écoute la parole et que tu ne sortes avec rien, il faut toujours prier que tu aies l'entendement spirituel et que tu puisses aussi la garder après avoir écouté la parole. C'est alors que tu vas croître dans ces choses pour la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule chose qui peut t'amener à Dieu, c'est la parole telle que nous sommes en train de lire. Parce que celui qui ne parviendra pas à la perfection, il n'ira pas non plus à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est comme le temps de la moisson. Le Seigneur viendra moissonner les fruits qui sont mûrs. Il va laisser les fruits qui sont tardifs. C'est pourquoi nous les appelons les vierges folles. Toi, tu vas t'adonner pour que tu sois mûr. Et lorsque le Seigneur viendra, il puisse aussi te cueillir dans son champ. Sont participants des noces de l'agneau. Mais cela ne peut se faire que par la parole telle que tu l'as. Dieu a créé l'homme. Il n'avait pas créé l'homme comme nos petits enfants. Il n'avait pas créé l'homme bébé. Il avait créé l'homme mature. Parce qu'il voulait lui laisser son héritage. Il voulait lui laisser la responsabilité. La responsabilité, on ne la laisse pas à un enfant. La responsabilité, on ne la laisse pas à un immature. On donne la responsabilité à un homme fait. Ma pèse à charge et la moto laisse à coquille. Qui est capable de discerner le bien et le mal. On vient de lire ici le problème de l'héritage. On vient de lire ici le problème de l'héritage.
responsabilité. Dans Éphésiens, le Seigneur va donner l'héritage à ceux qui parviendront à la perfection. De ceux-là qui deviendront des hommes faits. Des femmes qui deviendront des hommes faits. Des frères qui deviendront des hommes faits. Si tu ne deviens pas un homme fait, qui n'a pas la maîtrise de la parole de Dieu, tu n'entreras pas non plus au ciel. Tu seras tardif. C'est pourquoi il faut toujours te presser d'écouter la parole. D'abord, cet empressement-là. Vraiment, d'avoir cet empressement-là. Toujours voir que ces choses ici me concernent. Et on ne peut pas parler de ces choses ici sans citer mon nom aussi à l'intérieur. C'est ces gens que nous sommes les gens que nous sommes en train de citer dans les Écritures, ils étaient aussi des hommes comme toi et moi. Mais ils étaient capables, ils étaient responsables, ils avaient compris ces choses. Alors ils s'étaient jugés aussi dignes de la foi que Dieu leur avait posée. Il avait dit que ces gens-là étaient vraiment dignes. Et c'est possible que Dieu aussi puisse te témoigner. C'est possible. Et qu'on puisse témoigner. Beaucoup plus à nos frères. En tout cas, c'est quelque chose à vous sembler vraiment la série. Même l'héritage de la parole. C'est pour nous tous. C'est ça pour la mission. Mais beaucoup plus. Mais l'équipe mini. Les frères. Pour la bande de Comibal. Si nos frères connaissent l'héritage. Mais pas la bande de Comibal, il n'est pas tout à fait héritage. Vous devez être capable de garder l'œuvre de Dieu. C'est bien le monde, ça n'a pas pour qui a problème à vous ensemble. C'est pourquoi il faut toujours écouter la parole. Bien se positionner. Ces choses ici vous concernent. Vous n'êtes pas des étrangers dans ces choses. Jésus disait. Yes, petit troupeau, vous êtes heureux parce que votre père a jugé bon de vous confier le royaume. Je vous dis la vérité, la parole que nous prêchons, nous ne vous flattons pas comme les autres. C'est la parole que nous prêchons, l'évangile éternel, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Un jour, ton voyage cessera. Toi, tu iras te reposer là-bas dans la gloire éternelle. Parce que le Seigneur avait jugé moi de te confier le royaume. Tout ce que vous voyez là, ce sont des aventures. Des grands noms que vous entendez. Des aventures et des aventures. Ce que nous vous prêchons ici, c'est ça la vérité. Même s'ils peuvent être nombreux comme vous le voyez, ils n'ont pas Dieu. Nous ne le disons pas ici pour vous retenir. Mais parce que Dieu nous a fait grâce de la parole. Mais nous aussi, nous devons être dignes. En quelque sorte, montrer à Dieu que tu n'étais pas trompé de nous faire grâce. Mais autant que non parce que nous l'avons mérité. Mais parce que nous avons montré la maturité. Parce que totalisa qui pour amen. Amen. Si nous
nous exerçons de la sorte, alors notre église ira de l'avant. D'autres choses seront minimisables. Nous irons de progrès en progrès. D'autres choses subsistent encore parce que beaucoup ne s'attendent pas dans les choses de Dieu. Mais si vous donnez dans les choses de Dieu, enseignement, prière, tous les jours vous êtes là, vous allez trouver Satan dans ses manœuvres. Il ne saura pas travailler. Il ne saura pas travailler. Et c'est comme ça même que le Seigneur va nous bénir. Parce que quand il y a toujours un progrès, parce que ceux qui années, il faut savoir que dans les principes de Dieu, il y a toujours l'adversité. Il dit, je donne la prospérité. Prospérité et je crée aussi l'adversité. Donc tu n'es pas appelé à reculer. Après l'adversité, tu es appelé à toujours aller de l'avant. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Il a dit aller de l'autre bord. Il n'a pas changé sa parole. Il a dit allez de l'autre bord. Et ils ont commencé à partir de l'autre bord. Et lorsque le vent soufflait, ils voulaient désespérer. Amen. Amen. Ils voulaient désespérer. Mais leur maître qui était tout puissant. Mais il avait déjà dit, il n'a pas changé. Il n'est pas appelé à reculer. Mais vous êtes appelé d'aller de progrès, de manifester les fruits pour votre salut, la vie éternelle. Mais c'est ce que nous voulons vraiment pour notre église. Les petites choses, on les laisse là-bas. Nous nous avançons parce que nous avons un chemin. La terre n'est pas un lieu de repos. La terre, le monde n'est pas un lieu de repos. Ça c'est le Seigneur lui-même qui avait dit. Il dit marcher. Parce que ici ce n'est pas un lieu de repos. Ici ce n'est pas un lieu de repos. Nous marchons vers les lieux de repos. Alors tu dois marcher avec l'enseignement. Tu dois marcher avec la parole. C'est pourquoi nous vous prêchons ces choses, frère. Et nous vous demandons aussi de prêter bien attention à ces choses. Parce que c'est ce qui va vous fortifier. On va prier pour vous que Dieu vous ouvre encore l'intelligence. Amen. Que Dieu vous ouvre encore l'intelligence. Parce que nous ne travaillons pas nous-mêmes. Nous travaillons avec les seigneurs. Lorsque nous parlons comme ça, dans le spirituel, il est en train d'ouvrir. Il est en train de te délier là où tu es enfermé. Seulement par la parole. Parce qu'il est le Dieu de diversité d'opérations. Amen. Amen. Il faut aussi crois que le Seigneur te connaît. Et le Seigneur ne te laissera pas. Tu es faible. J'ai dit, il est vrai. Que tu es faible. Financièrement, tu es faible. Dans la famille, on te voit un faible. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît, frère. C'est pourquoi il te donne sa parole. Il permet au
jour le jour que tu t'approches de lui. Le jour où je suis passé, si je dis, ce n'est pas les souffrances qui enlèvent l'identité d'un enfant de Dieu. Jean était dans la prison. Il souffrait. Et le Seigneur lui a envoyé un ange pour lui donner la parole. Et à la fin, l'ange lui a dit, ta de ces paroles, Jean. Ah, parce que ces paroles sont véritables. Ces paroles sont certaines. Quelqu'un qui était en prison, l'ange a traversé l'armée des Romains. Il est entré silencieusement dans la prison. Il a amené Jean en extase. Il lui a montré les choses qui sont vraies. Mais Jean, Johan, il était faible. Il était en prison. Il était arrêté. On pouvait le regarder comme un homme de rien. Mais Dieu, comme il les connaissait, il lui a envoyé sa parole. Et sa parole l'a consolé. Et Jean a envoyé ses paroles aux sept églises. Il a dit que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. C'est ce que tu es aussi. Ne faut pas avoir peur du monde, frère. Le souci de la vie. Ça ne t'enlèvera pas ton identité. Ça ne t'enlèvera pas l'identité de fille du royaume. Ça ne t'enlèvera pas l'identité de fille du royaume. Mais il faut seulement prier le Seigneur. Seulement que celui qui est dans la joie, il chante les cantiques. Celui qui est dans la souffrance, il se lamente. C'est ça. Tu es dans la souffrance, lamente-toi. Il veut quoi qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Il se tient dans les souffrances. Prie. Celui qui est dans la souffrance, il doit prier. Mais en tout cela, que ce soit la souffrance, que ce soit l'abondance, ton identité de fils de Dieu ne te sera jamais enlevée. Tu es scellé pour la vie éternelle. Ton sort. Ton sort, ta fin, c'est la vie éternelle. Qu'il le veuille ou pas, c'est la vie éternelle. À un moment, ils ont marché. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché. Campement. Ils ont connu des problèmes. Ils ont connu la faim. Ils ont connu la soif. Ils ont connu le combat. Ils ont connu le serpent d'Aran. Ils ont connu même la frappe de Dieu. Mais le jour était arrivé où l'ange de l'Éternel lui-même est venu. Pour dire à Josué, la marche s'arrête ici. Enlève maintenant tes souliers. Parce que moi-même, je vais vous donner le royaume. Parce que cette traversée-là, la conquête de Jéricho, c'était l'action. De l'ange de l'Éternel. Pour leur donner le royaume. Pour lesquels ils avaient marché pendant 40 ans. Parce que l'exode, ce n'est pas éternel. Je peux vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Toi, tu dois laver ta robe. Toi, tu n'es pas comme les gens de ce monde. Je ne sais pas pourquoi je m'étends dans cette exode. Mais c'est seulement pour vous réveiller. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes les fils de Dieu. On les chante toujours. On les chante.
Ici au Congo, ceux qui n'ont pas on allait dire qu'il est impoli.
On allait l'arrêter outrage au chef de l'État. Mais Dieu a dit que Naboth a fait bien. Mais il avait vengé Naboth quand même on l'avait tué. Et même étant comme un moment qui est jamais rien qui n'a pas vengé Naboth. Toi aussi tu dois être fier. Je peux seigneur aux alentours. Pas n'importe quoi. Aux alentours il y a pas matin. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelqu'un parmi les sages de ce monde. Parmi les sages de ce monde. Parmi Nakata Batomayele et Atango. Tu es venu connaître toi-même. Alors, tu es venu connaître. Avant de faire des grandes choses dans la vie, il faut te connaître toi-même. Avant ça, Dieu aussi nous demande ça. C'est pourquoi il dit toujours, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Il a appelé Gédéon vaillant. Il l'était. Mais il ne savait pas ce qu'il l'était. C'est ça la chose la plus difficile dans la vie des hommes. Hein? De se connaître lui-même. Qu'est-ce qu'il est en réalité? Quand tu arrives à te connaître toi-même, alors tu as vaincu le monde à 7 ans. Voire même à 100%. Parce que tu connais ton identité. Et c'est ce que Satan ne veut pas. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. En tout cas, que Jésus-Christ te fasse grâce. Amen. 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 On doit toujours être ferme à l'enseignement. Nous allons toujours dans la réalité. Sois ferme, Zalangui, pour la réalité. Amen. Amen. Je vais parler un tout petit peu et puis nous allons prier. Nous parlons sur les grâces ou les faveurs de David. La fois passée, on a dit que David était déjà un héros avant que le Seigneur vienne le trouver. David a déjà élombé à mon zambé à mon kamataye. Et on avait montré que David véritable c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que David a solo pensé à élever Jésus-Christ. Il était déjà un héros dans l'ombre. Azalaki déjà élombé la part de Bobo Mama. Et on a expliqué cela. Peut-être ma kotali savo pensa. Comme l'esprit de Christ qui était dans l'ancienne alliance. Donc on a voulu moya en coloré Azalaki. Parce que c'est l'ancienne alliance qui est l'ombre des choses. Mais là-bas, David était déjà un héros. David déjà là-bas, il tuait déjà des lions. Là-bas, il tuait l'ours. Là-bas, il gardait soigneusement les brebis du père. Et le Seigneur est venu le trouver. On a dit que c'était Dieu qui délivrait Israël dans l'ancienne alliance. Certain moment, il n'est plus resté là-bas dans l'ombre. Il s'est manifesté. Le temps où Dieu l'a trouvé. Et puis on l'a oué de son huile sainte. Pourquoi? Pour qu'il soit le roi d'Israël. Pour qu'il puisse paître les troupeaux de Dieu. Pour qu'il puisse aller à la guerre avec le peuple. Obtenir la victoire. Et retourner avec le peuple. Et même avec des captifs. Parce que si vous regardez David comme un roi d'Israël, dans toutes les conquêtes qu'il a eu à faire dans la situation, dans tous les combats de la vie de David, il n'avait perdu aucun combat. Il n'avait perdu aucun combat, bien-aimé. Prenez seulement votre Bible. Commencez à lire à partir de 1 Samuel 16. Là, on parle de l'histoire de David. Jusqu'au livre de 2
Samuel. Prenez même un chronique. Vous verrez que David avait remporté tous les combats qui étaient venus de contre. Et c'est David là. Et David est là. Ne peut être que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était vraiment le vaillant guerrier. Le Seigneur l'avait établi. Pour garder son peuple. Parce que quand on établit un roi en Israël, c'est pour la guerre. C'est pour sortir à la guerre et rentrer aussi. C'est pourquoi nous disons même dans la doctrine, dans la pratique des choses, on n'établit pas ministre de Dieu dans l'église. Un frère qui est faible, un frère faible en connaissance, un frère faible dans la prière, un frère faible dans les choses de Dieu. Non, frère. Non. Quand on établit serviteur, c'est pour que ce peuple-là soit bien gardé. Parce qu'à chaque instant, il y aura les attaques de l'ennemi. Tu dois être capable de défendre le peuple. Tu dois être capable de donner au peuple des solutions à leurs problèmes. Le ministre de Dieu n'est pas un homme faible. Comme on dit à l'équateur, Mouté à sa moto ya bétélété. Mouton a bétélé. Vous-même, vous voyez la faiblesse dans le mot là. Faiblesse. Il n'y a pas de taou na katia. Il n'y a pas de bétélé. Donc, quand on te voit comme ça, ce qui m'a sauvé là, le lingé là. Donc, tu es faible. Vous avez un mot à le ministre de Dieu, c'est non. Il n'a pas peur des situations difficiles. Il dit par la foi, nous allons vaincre. Parce qu'il ne travaille pas seul. Mais il travaille avec l'onction de Dieu. Son c'est pourquoi David disait, David, avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Avec l'Éternel, je me précipite vers une troupe en armes. Il va avoir cette confiance-là en lui. Que dans Dieu, et même s'il y a la miraille, même ce qui est obstacle, il va percer la miraille. Même s'il y a les armées, même ce qui m'a pris, il va courir pour aller les affronter. Parce que c'est avant qu'il ne court. Dieu avait déjà couru devant lui. Alors il va courir pour aller affronter ces gens-là. Vous savez, Josué, lorsqu'il priait, il n'était pas avec les gens ces jours-là. Il n'était pas avec ces gens. Il était seul. En lisant seulement l'écriture, il était seul. Il a regardé. Il a vu un homme. Avec son épée hors du fourreau. Il n'a pas crié, venez, venez, je vis un homme. Non! Il savait que celui qui l'avait établi, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait Moïse. Il a dit Moïse, va te reposer. Alors, maintenant c'est le temps de Josué. Josué savait que celui qui m'a établi ici, c'est Dieu. Josué a dit que le mouton a tombé. La saison ici, c'est la saison de la guerre. Mais il lève les yeux, il voit un homme. Il ne peut pas crier là-bas. Il a dit venez, venez. Il est allé seul. Parce qu'il a confiance en lui. Que si je suis
ici, je ne me suis pas mis ici de moi-même. Mais c'est Dieu qui m'a choisi d'être ici. Il s'est approché de cet homme-là. Il lui a posé la question. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Il n'a pas eu peur de lui. Lisez les écritures. Il a là devant ses corps. Il s'est tenu devant lui. Et lui a dit, es-tu de l'autre ou de nos ennemis? Il n'a pas eu peur de lui. Parce qu'il savait que c'est lui qui est établi. Tous ceux qui m'attendent là-bas, tous ceux qui sont là-bas, ils attendent ce que je dois leur dire. Ils ont confiance que c'est Dieu qui m'a établi. Un serviteur de Dieu. Il va d'abord apprendre à faire des choses de lui-même. Après, il va entraîner les sauvés. Si c'est prier lui-même, il doit commencer à bosser. La connaissance, il doit avoir une grande connaissance. Le bon serviteur lui-même, il doit commencer. Et après, il va entraîner facilement. C'est facile. C'est toi qui es là. Ce qui est aux là, tu me vois dans une mauvaise vie. Toi aussi, tu seras facilement entraîné dans la mauvaise vie. Mais si tu ne m'as jamais vu dans la mauvaise vie, toi aussi, tu ne seras pas dans la mauvaise vie. C'est difficile. Si tu me vois toujours dans la prière, toi aussi, tu seras excité à toujours venir. C'est comme ça. C'est pour cela que Dieu est établi un chef. C'est pourquoi il a établi David. Il lui a donné l'huile sainte. Il était déjà un héros. Il vient maintenant être officiellement établi par Dieu pour soutenir les guerres de l'État. Afin que le peuple soit toujours victorieux. C'est pourquoi j'avais dit, c'est David là comme Jésus-Christ. Il est le fils de Dieu. Je vous avais expliqué. Le fils de Dieu, c'est l'héritier. Mosangoli. Héritier. Mosangoli. Amen. Amen. Quand on dit fils, c'est l'héritier. Pourquoi héritier? Parce que dans la manière de Dieu de faire les choses, il donne l'héritage à celui qui est l'héritier. Amen. Et l'héritier, c'était Adam. C'était lui le premier né de la création. Et Dieu lui avait donné la terre. Ici, des royaumes. La domination. Après ça, tout ce qui est ici, le Seigneur avait donné ça. Mais Adam a péché. Mais il a entraîné tout le monde dans la chute. Et tout le monde était souillé. Maintenant, le Seigneur, il avait le dessein de relever ceux qui étaient ses fils. Mais comme il a un principe, il dit toujours que ça doit passer par un premier né. Et que tout le monde était déjà suyé. Alors lui-même, Dieu, il s'est fait fils. Il ne faut pas refuser que Jésus-Christ est fils. Il est fils. Parce que s'il n'est pas fils, nous ne serons pas non plus sauvés. Amen. Parce que l'héritage, on le donne au fils. Afin que tous ses frères puissent bénéficier au travers de lui. C'est pourquoi on l'a donné l'héritage. C'est pourquoi on l'appelle dernier Adam. Adam, hein?
Amen. Le dernier Adam, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah. Parce qu'il y a eu le premier Adam. Alors il y a le dernier Adam. Par qui nous allons bénéficier de l'héritage du royaume. Amen. Le troisième Adam, c'est diabolique. Amen. C'est un enseignement satanique. Amen. C'est-à-dire on ferme la porte. Amen. Il n'y avait que Adam le premier. Et le second qui est le dernier. Par lui nous avons bénéficié de la grâce. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans Hébreux chapitre 7. Au sujet de nous. Melchisédek. À qui Abraham avait donné la dîme. Vous voyez? Melchisédek. Lorsqu'Abraham a vaincu, il est venu au devant d'Abraham. Il a commencé à parler. Il a montré que c'est le Dieu d'Abraham qui lui a donné la victoire. Abraham lui a donné son aide. Un dixième de tout ce qu'il avait. Maintenant, écoutez ce que le frère Paul dit par le Saint-Esprit. Enlevez-nous ça, ça nous dérange. Écoutez ce que Paul dit par le Saint-Esprit. Il dit, considérez combien est grand ce Saint-Esprit. Abraham. Il a donné un dixième à cet homme-là. Qui est vraiment cet homme-là? Il a commencé maintenant à expliquer ce qu'il a. Il a dit cet homme-là était sacrificateur d'Israël. Et il alla au devant d'Abraham. Et retenez ceci. Sacrificateur. Et il alla au devant d'Abraham. Il dit. Il n'avait ni père, ni mère, il était sans généalogie, il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Allez, il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Quand on est Fils de Dieu, c'est Adam. On dit qu'il était sans père. Sa mère sans généalogie. Fais un petit exercice. Il est venu chez Abraham dans Genèse 14. Dans Genèse 14. On dit qu'il était sacrificateur. Mais il était sans père, sans mère, sans généalogie. Maintenant, commence à retourner à partir de 14. Commence à descendre. Genèse 13. Il a sacrifié. Abraham. C'est-à-dire il était sacrificateur. Est-ce qu'il était sans père? Non, il avait un père. Oui, il avait aussi une mère. Donc c'est déjà, il n'est pas sa mère qui s'est donné. Et d'ailleurs, c'était lui vers qui Melchisédek était venu. Vous descendez encore. Vous allez voir. Sacrificateur. Noé. Noé. Est-ce qu'il était sans père? Est-ce qu'il était sans mère? Est-ce qu'il manquait la généalogie? Il avait un père. Il avait une mère. Il avait aussi une généalogie. Cela veut dire Noé, ce n'est pas Melchisédek. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un des fils de Noé, Melchisédek, c'est diabolique. C'est Melchisédek. C'est diabolique. On descend encore. Qui a sacrifié? Nous arrivons dans Genèse chapitre 4. Là nous voyons Caïn et Abel. Est-ce qu'ils étaient sans père? Ils avaient un père. Adam. Ils avaient aussi une mère. Donc il n'était pas Melchisédek. Aucun de ces deux-là n'était Melchisédek. Mais dans Genèse 3. Est-ce qu'il y a un sacrifice? Oui. Lorsque l'homme a péché, il y a quelqu'un qui a sacrifié. Il y a quelqu'un qui a tué un
Où est parti la chair? Je vais vous prêcher sur la côté la sur la chair de la vie. Si de cet animal là. Vous êtes un comédien. Vous allez monter la main, c'est qui? Tu es un grand comédien. Vous allez vraiment monter la main, c'est qui? Si tu ne comprends pas Dieu dans un verset, ce qui se sont mis en mettre dans verset, il faut marcher dans les écritures pour les comprendre. C'est que autant on a compris, il faut que l'homme est là en la compréhension. Il est là. C'est pourquoi il utilise un principe de la répétition. Il avait dit dans les sacerdoces lévitiques. S'il y a un sacrificateur qui travaille, ce qui est dans la maison, et que quelqu'un avec l'animal et qu'il doit faire l'holocauste pour cet homme là, il va rester avec la peau pour lui. Cela veut dire quoi? Quand Dieu était resté avec la peau, il avait pris l'animal là en entier, il n'avait pas laissé le sang Je vais vous prêcher sur les comédiens. Si on ne fait pas faire la comédie, ici c'est pour la vie. La connaissance qui donne la vie. Amen. J'avais dit que c'est David là, c'est le fils de Dieu. Et c'est à lui que Dieu a fait toutes les promesses. Mais ces promesses-là ne devaient s'accomplir dans la vie des croyants si le Seigneur vient à établir une nouvelle alliance. Ce qu'ils avaient à écouter, une nouvelle. Écoutez ce que Dieu dit. Nous voulons finir. Dans Ésaïe chapitre 55. Je prends le verset premier. Je prends même le verset 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Notez ceci. Prêtez l'oreille. Ésaïe 55, le verset 3. Prenez l'oreille. Et venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Pourquoi? Pour rendre durable mes faveurs envers David.
Voyez les faveurs de David que nous prêchons. Qu'on avait lu. Cela s'accomplira avec le peuple. Lorsque Dieu aura traité avec eux une alliance éternelle. L'alliance éternelle, c'est l'alliance dans laquelle nous sommes. C'est dans cette alliance que Dieu a rendu éternelle les faveurs de la vie. Et c'est ça que le frère Paul confirme. Je suis dans Acte 10, 13. Lentement. Je suis dans Acte 13. Je prends le verset 33. Verset 33. Dieu a accompli cette promesse pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Qu'est-ce qui est écrit? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez? Qu'il ait ressuscité des morts. De telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'a déclaré en disant. Il répond maintenant à la parole d'Esaïe qu'on vient de lire. Réponse, la parole d'Esaïe qu'on vient de lire. Il montre pourquoi la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi tu as ressuscité Jésus-Christ? En dit, c'est l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Il dit ceci. Je vous donnerai les grâces saintes. Et sainte. À David. Ces grâces qui sont assurées. Amen. Amen. Et par la résurrection de David, toutes ces promesses-là, par la résurrection de Jésus, toutes ces promesses-là s'accomplissent dans le monde. Que l'ennemi ne nous surprendra pas. Que sa force ne s'élèvera pas. Comme David n'avait perdu aucun combat. Toi aussi tu ne perdras aucun combat. David disait. Dieu a dit. Sa force s'élèvera par mon nom. Il savait cette promesse, frère. Même s'il est devant un lion. Même s'il est devant une ours, un ours. Il suffit seulement pour lui de dire éternel. Et quand il devient invincible. A comme il m'a dit, il m'a dit. De dire éternel. Il devient plus fort. C'est pourquoi quand il est descendu devant Goliath dans la vallée. Il savait seulement qu'il avait une promesse de Dieu. Éternel. Il dit à Goliath. Là je lui dis à Goliath. Tu viens avec moi. Tu viens devant moi. Avec la lance. Avec ces instruments de guerre. Moi je m'avance devant toi au nom de l'éternel. Et vous savez ce qui s'était passé. De la même manière toi aussi. Dans tous tes combats. Pour la grâce de la vie. Il se présente seulement au nom de Jésus. 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 Come on.
nous allons nous lever pour la prière. Tu vas prier à Dieu. Tu vas d'abord les remercier pour la parole de Dieu. On nous en donne un cantique. Doucement, un cantique de méditation. Ton Zambé, Yemisette, Yosalibalam, pour la lutte à propre à l'élan. Yemisette, Nayo, qui peut l'indiquer, Yomano, Salanga, Ivolou. Ton Zambé, il m'a compris, Jésus-Christ.